Bien le bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler d'un pop et c'est un Funko Pop, un unboxing sur le numéro 63 de Star Wars. Si je vous dis Chewie ou tout simplement Chicatabac ou Chico ou tout simplement Chewbacca. Voilà, il s'agit bien entendu du Star Wars épisode. Le Chewbacca que je vais vous présenter, c'est le numéro 7, donc Star Wars numéro 7, Star Wars. Donc Chewbacca est on peut dire ça comme ça, un gros ours en peluche qu'on a eu l'occasion de voir. D'ailleurs, vous verrez une photo derrière, au FAC. Cette année-ci, non, l'année dernière maintenant, où on a pris une photo avec le slasher et moi-même avec Chewie, qui est le grand ami de Monsieur Yann Solo et qui est copilote, bien entendu, du Faucon Millenium. Alors, il faut savoir aussi que à Star Wars, on essaye beaucoup de mettre des acteurs ou des choses comme ça pour représenter les personnages, hein, même dans R2-D2. Il faut savoir que c'est une personne de petite taille qui est dans R2-D2. Et là, dans Chewbacca, ben moi, je vais juste vous donner le nom de l'acteur qui fait Chewbacca. C'est Peter Mayhem qui interprète donc Chewbacca depuis les films de Star Wars. Malheureusement, je ne crois pas qu'il sera présent dans le 8e épisode. On n'en sait rien pour le moment. Mais Chewbacca est bien présent dans le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7e épisode. Donc, pour vous donner un petit exemple, Chewbacca est un personnage de Star Wars légendaire, guerrier Wookiee et copilote donc du Faucon Millenium aux côtés du légendaire contrebandier Han Solo, alias Harrison Ford. Chewbacca fait partie du noyau des rebelles qui a restauré la liberté dans la galaxie, connue pour se mettre très facilement en colère, avec ses cris d'ailleurs assez marrants, hein, et sa précision à l'arbalète. Chewbacca a aussi un grand cœur et fait preuve d'une loyauté indéfectible envers ses amis. Chewbacca a joué et joué donc par Peter Mayhem dans les épisodes 4 en 1979, 77 pardon, 5 en 80, le 6 en 83, le 3 en 2005 et avec Jonas Suantamo dans l'épisode 7 en 2015. Donc je vais vous ouvrir ce pop qui est un Bubblehead ou Bubblehead si vous préférez. Donc que signifie Bubblehead? Tout simplement, c'est la tête qui bouge sur un ressort. C'est un peu comme quand vous suiviez, si vous voulez, les voitures derrière qu'on voit un chien qui bouge sa tête. Ben c'est ça le Bubblehead. Déjà donc ce qu'on fait, ce que Funko Pop a fait cette fois-ci pour ressortir un peu le Wookiee, donc le Chewbacca, ils ont mis sur le fond de la boîte un fond rouge pour bien faire ressortir le Chewie, donc le Chewbacca. Et autre chose aussi, c'est que tout personnage de Star Wars, il y a un socle où il est marqué Star Wars. Grosse licence, bien entendu, avec le numéro de matricule en dessous du socle. Alors la tête, elle bouge très bien. Donc là, fatalement, ne cherchez pas à faire pivoter la tête. Vous ne sauriez pas la faire pivoter, mais elle bouge dans tous les sens. C'est assez marrant. Et on le voit bien sur son arbalète, avec son arbalète, pardon, pas sur son arbalète, et avec un socle et le chouï. Il tient très très bien sur sa tête et on peut l'enlever du socle sans problème pour le mettre debout hors socle. Donc c'est un bon petit pop. Profitez-en pour le moment car il y avait une promotion Star Wars à 5 euros. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau qu'on a offert au slash. Donc voilà, c'est un bon petit pop. Le slasher va vous faire des prises de vue et on vous joindra la photo de nous avec Chewbacca. Comme ça, vous verrez bien qu'on raconte pas de bêtises. Et on mettra peut-être même des photos de certains personnages de Star Wars, pourquoi pas, pour un peu illustrer notre pop. Ça me fera plaisir. Enfin, moi, c'est que je le ferai pour
Mon pop à moi, voilà, c'est tout. Voilà, encore une fois, merci beaucoup de votre confiance. Et voilà, donc Chewbacca, Chewie, donc le pop numéro, je n'ai pas dit 63. Et là, sur les pop, il y en a quand même une bonne petite flopée. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, et bien entendu, c'est le réveil de la force. Donc, c'est le 7e épisode. Voilà, ciao les amis, à très bientôt. Bye, et merci pour vous.